Salut tout le monde. Alors, tu te tais la musique? Merci. Voilà. Ah, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 64 Hours. Et normalement, si je fais ça, hop, j'apparais dans le chat. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai changé de setup. Mon plan était parfait. C'était parfait. Jusqu'à ce que je me rende compte que mon écran de PC accepte pas les signaux bizarres de l'OSSC. Et du coup, je suis obligé de jouer en 16/9 à la Nintendo 64. Et je vous promets, j'ai pas envie. Mais bon, j'ai une émission à tenir. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé, donc on va y aller. Voilà. J'appuie sur le bouton. Et on est parti. Donc on va essayer encore une fois de finir le. Le mode... Ah oui, et puis je joue en 16/9 et en plus mon écran il accepte que le mode... Enfin un mode de qualité moindre. Donc normalement le stream sera de moins bonne qualité en termes de vidéo. Voilà. Alors déjà que le streamer il est nul, mais si en plus l'image elle est nulle, on n'est pas rendu. Allez, je remets le Rumble Pack. Et on est parti. C'est pas énorme de capture, non. Donc, on avait déterminé qu'il fallait être premier à cette course, premier à la deuxième, premier à la troisième, premier à la quatrième et premier à la cinquième. Et je crois que j'ai pas pris la bonne bagnole pour commencer, mais c'est pas grave. Je pense pas. En tout cas, celui-là en particulier, je pense pas. J'espère que vous allez bien, hein. Que vous avez passé un bon début de semaine. C'est vrai, moi j'avais vu dans les magazines, mais par contre j'avais jamais joué. Ah, moi j'ai juste vérifié qu'elle se lançait, la compile. Je l'ai reçue jeudi dernier. Juste vérifié qu'elle se lançait, mais j'ai pas encore joué. Bah Mario 64, je me dis. Bah remarque, à ce rythme-là, je le ferai que dans 10 ans dans 64 Forever. Donc ça va. C'est vrai que je pourrais faire les autres. Je crois que j'ai pas pris la bonne bagnole, hein. On avait dit valait mieux prendre la rapide, parce que même avec la rapide il te dépasse dans les lignes droites. Bah les New Beatles, vu que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils en font plus déjà, elles doivent plus être new maintenant. Mais casse-toi! Bah ouais, clairement, ça fait. Ouais, ça fait presque 20 ans quoi.
pas pris le temps de régler la webcam en vrai. Enfin, remarque, vous voyez mon t-shirt maintenant, c'est pas plus mal, hein. Tant qu'on n'est pas premier à cette course, je recommence. Hein. C'est le deal. D'accord. Je sais pas ce que j'ai fait. Pas super. Question, j'ai rien débloqué puisque j'ai pas fini. Enfin, je sais, je cherche pas les bonus ni rien. Donc, je débloque que les voitures normales entre guillemets. Ford Fiesta 64, meilleur jeu. Sauvegarde pas, on n'a pas battu de temps. Bah ouais, mais pour la débloquer, il faut. J'imagine qu'il faut choper des caisses, faire des bonus, tout ça. Oula. Bah moi je crois bien que si hein. Parce que sinon je vois pas trop comment on peut débloquer des voitures autrement qu'en récupérant les caisses bonus. Yes. Ah, ça passe, enfin ça passe presque quoi.
Mais regardez-moi ces petits bâtards, quand tu les doubles, ils te rentrent dedans. Voilà, moi aussi je peux le faire, hein, non mais oh. Oula, j'ai pas le temps de lire tout ça dans la course. Je lirai après. Cette bagnole. Donc il faut faire le mode standard et faire le bonus mode. C'est pas ce que c'est le bonus mode. On peut regarder hein, si on perd là. Et je vais essayer de vraiment me concentrer ce soir parce que bah, si on pouvait le finir ce soir, ce serait cool le jeu en fait. C'est une blague. C'est une putain de blague, j'en ai marre. J'en ai marre. One player. Single race. Championship. J'ai pas de mode bonus moi. Je l'ai pas le mode bonus hein. Alors que je l'ai battu le championnat standard. Donc, pas de mode bonus. Welcome to Coventry Cove. Get ready.
on est condamné à recommencer encore et toujours. Après, c'est le jeu, hein. Terminer tous les championnats? Bah, c'est mis qu'il faut finir le truc standard là sur ton lien. Parce que du coup, s'il faut terminer tous les championnats, ça m'avance pas à grand chose vu que l'objectif c'est de finir tous les championnats. Bah c'est pas grave, on va pas tricher hein, tant pis. On va être obligé de jouer normalement quoi, super. Trop obligé de jouer normalement un jeu, c'est terrible. D'accord, bah après après spoiler on jouera pas avec hein. Pas spoiler, on la débloquera pas puisque je vais pas réussir à faire le championnat. Ah bah franchement, si Predator il pouvait venir me filer un coup de main là, je serais pas contre.
Regardez-moi ça, les bannières. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça, moi? Crever les pneus, c'est une bonne... T'as des 2 secondes parce que là, y a un truc qui va pas. Alors... One player. Single race. Non. Championship. Pro circuit. Nice wheel. Ok. Welcome to Coventry. J'ai que les voitures de base. Ma manette s'est débranchée. Apparemment, si t'as pas de manette, tu peux pas jouer. Attendez, du coup mon problème en plus c'est pas résolu. Hop. C'est de régler mon écran. Ouais, bon. Vous savez quoi? Laissez tomber, c'est pas grave. Hop. Allez. Alors, donc oui, apparemment quand on n'a pas de manette, on peut pas jouer. Je comprends pas, ça me semble assez arbitraire comme comme prise de position, mais bon. Tout va bien.
du coup, à quoi servent les bonus, les caisses bonus, si c'est pas comme ça qu'on débloque des bagnoles? Parce que là, bon, c'est comme ça qu'on débloque des continues. Avec 55 caisses là dans ce niveau, je crois. Mais on peut aussi en avoir 100. Et les 100 caisses débloquent autre chose, mais je sais pas quoi. Toi, merci. Non mais d'accord, c'est pas pour que toi tu viennes me casser l'arrière-train là. Oh. Jette premier et puis après au troisième tour il y en a un, il va décider qu'il va, je sais pas, il va trouver la pédale d'accélérateur, j'en sais rien, qui va me gratter. Vous avez vu là, il y a une ligne droite, il me collait au cul. Il était en train de me rattraper par je ne sais quel prodige. Puis d'un coup, une ligne droite, et là il a complètement disparu. Et des fois c'est l'inverse. Je suis en ligne droite, pleine vitesse, et il m'efface comme si j'étais à l'arrêt. Vraiment un comportement très étrange de l'IA. C'est même pas du rubber banding, c'est... Bah c'est de la merde. Voilà. Ah merde, j'ai raté la nitro. Pas trop méchant, c'est pas grave. Des tableaux de quoi? Voilà, bien fait le tête à queue. Je suis qualifié.
Allez, c'est bon, cette fois c'est la bonne, je finis premier. Peut-être. Là, les adversaires ralentissent tellement ici. Ah oui, alors attention, ne pas faire un saut, voilà. Je me décale toujours un petit peu vers la gauche et faut pas, hein. C'est, faut que j'arrête. km/h, incroyable, sur la neige dans une New Beetle, c'est balèze en vrai, hein. Voilà, parfait. Voilà, les virages aussi, parfait. Les voitures ralentissent tout le temps, sauf là. Ah si, il ralentit, c'est bon. Donc là, on ne fait pas de saut, hein.
Bien entendu, tranquillement. D'accord, la voiture, tu tournes? Merci. Voilà. On est unième. Voilà. Ah, j'ai battu le record. Bah là, je vais sauvegarder. Si je bats un record, je sauvegarde. Maintenant, j'utilise des Rumble Pack, comme le jeu dit si bien. Allez, le volcan. Welcome to Inferno Isle. Get ready. 3, 2, 1, go! Je prends plus les raccourcis, hein. Ça fait perdre. Enfin, moi, ça me fait perdre du temps en fait. C'est pas vraiment des raccourcis, c'est juste des routes alternatives. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour récupérer des caisses. Il y en a que, par exemple, celui où faut. On passe par le ponton là. Celui-là a l'air de faire gagner du temps. À moins que je me vautre, bien entendu. Et encore, je suis pas certain. C'est vraiment l'angoisse, hein. C'est une fois des voitures viennent te rentrer dans le cul. Voilà, comme là par exemple. Putain! J'ai eu chaud. Je me souvenais plus du tout de ce passage et j'ai eu très chaud. Alors je veux pas prendre. J'ai dit je prends pas les raccourcis. Ça m'a l'air d'être à chaque fois des pièges à con. Remarque celui-là ça a l'air de faire tout droit quand même. Hein. Mais bon, on a une ligne de conduite hein, si je puis me permettre. Donc on va la tenir. Casse-toi.
C'est un peu ça. Bah après voilà hein, De toute façon, j'avais prévu en commençant l'émission l'année dernière, les jeux de course, ça serait mon. Bah, je suis pas fan de jeux de course en général. Parce que je suis nul, entre autres. Red, et puis merci pour le sub, merci beaucoup. Putain, mais casse-toi. Dans la vraie vie, je veux dire, imaginons là, j'étais dans la vraie vie. Je suis mort combien de fois juste sur cette course? Et juste depuis que t'es là. Parce qu'en vrai. Pourquoi ma bagnole elle tourne pas? Voiture, je te demande de tourner. Voilà, comme ça. Elle va faire pouf. Ah bah ça m'a mis plus loin. Parfait. C'est un raccourci. Il y a une bagnole qui a poussé dans la lave et je vais encore m'énerver. Ici on voit plus rien. Non mais j'hallucine. Je vois rien. En fait avec mon écran je vois rien. En fait j'ai un problème, c'est comme si la HDR était activée alors qu'il n'y a pas de truc HDR.
Attendez, hein, voilà, je bidouille des trucs parce que ça me rend fou. Bon bah je suis troisième. Bah je continue. Welcome to Sunset Sand. Get ready. Faut que je sois premier là. Je vais, mais j'y vais. Hein. Il y avait un truc par là. Je tente, hein. Je tente. Faites comme si j'étais pas là. Voilà, je viens de passer troisième. Je cherchais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a pas fait prendre la nitro, putain. Et là non plus, bah c'est parfait. Je l'ai peut-être déjà écrasé hein, sans le voir. Hein. Il y a bien le passage secret que j'ai pris là, même si je me souvenais plus où il était. Ça fait gagner plein de temps en vrai. T'es où déjà? C'était là? C'était là. Mais qu'est-ce qu'elle fout la bagnole ? Mais en fait, tu peux pas passer ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Aïe. En fait le passage secret il est bloqué, mais même en... Enfin je peux le prendre et me téléporter en fait, en me remettant sur le bouton pour retourner sur la piste. C'est pas trop grave. Alors vais-je réussir à prendre des nitros?
crois y a ma copine qui joue à Among Us à côté. J'hésite à passer près de son micro et gueuler. Mais pourquoi ton pseudo il est rouge à toi et pas aux autres? Mais elle risquerait de mal le prendre, je crois. Non, bah non. Attention. Hop là, smooth. Vous allez voir, on va tricher. On va tricher comme des salauds. Bam. Hop là. J'appelle ça tricher comme un bâtard. Mais le jeu il triche aussi, donc j'ai pas de soucis. Par contre, tu te casses maintenant, hein. Voilà. Putain, j'ai toujours pas eu la nitro, merde. Non, tu me doutes pas, c'est moi le premier. Qu'est-ce qui se... J'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi ma bagnole elle a fait ça? Putain. La bagnole est partie à gauche, mais toute seule, hein. Sans... Voilà. Là, il faut... Alors, là, si je suis premier... Là, si je suis premier, je gagne le championnat. Mais vu que c'est une course que j'ai faite qu'une fois auparavant, eh ben on n'est pas dans la merde. Si je suis pas premier mais que Mante Verte est quand même derrière moi, je peux gagner le championnat aussi. Après je sais pas qui est Mante Verte. Claire ? Oui, bah c'est celle qui m'a fait chier dans le niveau de la lave d'ailleurs.
Ah putain, je prends un passage. Un rallonge. Le fameux rallongi. Ok, ça se crache, ça c'est bon pour moi. Ça c'est pas bon pour moi. Je sais qu'il y a des caisses de nitro pas loin, je crois. Sur la droite. Il y en avait une à droite là. Ça, je peux pas la prendre parce que je saute trop haut. Alors, faudrait que je ralentisse avant de prendre le saut et tout, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup. What? Je suis arrivé tellement vite que je l'ai fait exploser. Bien fait. Vous avez vu, j'ai pris de la nitro et la voiture rouge, elle a quand même gagné de la vitesse par rapport à moi. C'est fou, hein. Bon, après, dans le virage... C'est ça. Le fameux bain dans le jus d'orange. Casse-toi, 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 casse-toi. Merci. Bon, pour l'instant, du coup, la bleue ciel, elle est... enfin, la bleue claire, pardon, elle est devant. Hein. Si j'en crois les... Bon, après, mon écran, il a une colorimétrie de merde, là, sur... J'ai pas réglé l'entrée HDMI de l'écran et combiné à l'OSSC. Ça fait de la merde, hein. Ah putain. C'était pas smooth. Vous noterez quand même que l'IA elle est tellement cassée que même en trichant dans le stage d'avant, j'ai fini deuxième.
Erreur. Oh putain. Je connais pas la dernière partie de la route, celle qui change à chaque fois. C'est plus du tout. Je sais que je m'étais fait avoir la dernière fois par contre. Ça, je m'en souviens. Oh, je l'ai... vous avez vu, je l'ai raté à 2 cm la caisse. Eh bah yes! Eh bah je crois on a gagné! Putain Bob il est premier, il met il met plus de 24 secondes dans la gueule. Congratulations! Vous avez gagné! Mr Big, Top Dog, le champ vainqueur, number one. Et ouais. Et puis il y a des crédits. Non, non, il n'y a pas de reverse. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a des reverse, je m'en fous. J'ai fini le jeu. Voilà. Hop, alors attendez. Donc 26 et je viens de terminer le 27ème. Du coup, je vais mettre ça à jour d'ailleurs. Donc ce qui se passe, c'est on attend bien entendu la fin du générique. Hein. On n'est pas des animaux. Et il y aura un petit raffle. Donc le prochain jeu, ça sera Turok 2. C'est Vatsu qui l'avait donné, si je me souviens bien. Et donc on va faire un raffle pour déterminer quel jeu on fait après Turok 2. Donc Beetle Adventure Racing, je vais lui mettre 2,5 sur 5. Parce qu'en fait il partait très bien. Mais le fait qu'il y ait il y a que 5 courses. Et du coup les 3 championnats ça consiste à refaire le premier c'est 3 courses, le deuxième c'est les 3 premières plus une autre etc. Ça limite vachement l'intérêt et du coup ça a été un peu la déception plus on avançait dans le jeu en fait. L'IA elle est un peu pétée je trouve. Donc voilà,
Après, les tracés en eux-mêmes, ils sont super, vraiment, il y a plein de chemins partout, il y a des trucs cachés de partout, mais je veux... Non, passer la surprise du début, je me suis plus amusé en fait, donc je vais mettre 2,5 sur 5. Ou 3. Non, 2,5. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce que je fais, alors... je finis de peaufiner les trucs de setup que j'ai à faire. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, du coup... mettre à jour ça et puis on va lancer le raffle. Hein. On va pas attendre. Voilà. Alors, le raffle, vu que je n'ai pas réglé ma cam sur les autres scènes, je sais pas comment je vais apparaître. Voilà, hein, ça va être la surprise. Je sais pas ce qui va se passer. C'est ce qu'on va voir mon salon. Attention, raffle, c'est parti. Oh, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc point d'exclamation N64 dans le chat et vous pourrez choisir le jeu qui sera fait après Turok 2. Pendant que vous votez, alors moi je ne participe pas, pas encore, hein, je participerai au suivant mais pas à celui-là. Je vais changer un petit peu le layout de mon côté. Alors. N'hésitez pas, hein, point d'exclamation N64 dans le chat. Hop. Bon, après on est que 3, donc ça devrait pas être trop compliqué de gagner. Hein. On aura une chance sur 3. Alors, combien de temps encore? 1016, bon. Parce que si je me mets à participer dès maintenant au raffle, ça va être compliqué. Hein. Je vais remettre ma webcam comme il faut, je pense. Voilà, c'est pas mal là. Bricole des réglages. Enfin, c'est pas mal, mais c'est de la merde, par contre. Je me translate. Voilà. Non, mais oh. Si je gagne pas, j'influence. Ah bah, Goemon 2, ce sera avec plaisir, parce que j'avais adoré le premier en plus. Attention. Attention, 5 secondes. C'est fini. Bon, j'ai... Alors, qui a gagné? C'est qui a gagné? Attention. Scam. Ouais, c'est ça. Scam. GG. Tu peux donner le jeu d'après. Tonic Trouble. C'était du rapide. Tonic Trouble, donc jeu de plateforme, hein, si je dis pas de conneries.
avec un personnage qui me faisait trop penser à Rayman. Il lui ressemblait pas du tout, mais il lui ressemblait. Tonic Trouble, du coup, jeu suivant. Hop, je le mets là. J'ai jamais fait, mais j'avais vu la pub dans les magazines et tout. Tonic Trouble. Et je le mets aussi dans le document. Ctrl F. Attendez. Hop. Tonic Trouble. Voilà, je mets Scam Blast. Excusez-moi, j'ai pas automatisé ça encore. Je sais que je pourrais le faire. Mais j'ai la flemme. Voilà, donc on a tout. Eh, pas belle la vie, on finit un jeu. Donc la semaine prochaine, tu rock. La semaine prochaine, n'importe quoi. Vendredi, tu rock, parce qu'en fait, je vais m'arrêter là. J'ai prévenu que le stream serait court. On a fini le jeu, donc je pense que je vais m'arrêter là. Non, Scam Blast avait gagné une fois, elle avait donné The New Tetris. Qui était pas mal en plus. Il était pas mal. Donc j'espère que Tonic Trouble sera au moins aussi bien. Ouais, on va faire ça. Donc je m'arrête là. Je vous dis à demain pour Chrono Cross. Normalement c'est bon là, je reprends les streams sans embrouille. Donc à demain pour Chrono Cross. À vendredi, pour ceux que Chrono Cross n'intéresse pas, vendredi, donc on continue 60 Forever, on fait Turok 2. Et puis bah voilà. Sauf encore une fois, hein, j'ai pas mal d'imprévus et d'impératifs qui viennent se greffer maintenant dans la semaine. Donc il peut arriver qu'à l'insu de mon plein gré, je sois contraint d'abandonner. Mais dans mon esprit, je stream tous les jours de la semaine, en tout cas. Voilà. Bref. Allez, merci à toutes et à tous d'être passés. Et à la prochaine.